Bonjour mes amis, bienvenue dans ce deuxième épisode de Là où s'arrêtent les mots. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener en Savoie. Welcome. Je suis mon Stéphane Bern. Ok, aujourd'hui on va se mettre vraiment dans l'intimité d'un artiste qui est quelque peu un ami aussi, mais je me suis dit pourquoi pas en profiter pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça peut être le quotidien d'un gars qui a décidé de vraiment vouer sa vie à la musique et à la scène. Vers Annecy, c'est magnifique, c'est un truc de fou. Alexandre, bonjour. Acteur, bonsoir. Comique, interprète, le plus doué de ta génération. Tu parles combien de langues? Sur scène ou dans la vie? Sur scène. 5, 6. C'est un truc de ouf, tu parles 6 langues. Sur scène, ouais. Enfin, en allemand, tu apprends par cœur. Ouais, italien, pareil. Je parle pas du tout. Je parle pas l'allemand plus simple qu'italien, même d'ailleurs. C'est bizarre. C'est-à-dire, tu te ramènes sur un spectacle, tu connais par cœur ton truc en allemand. Phonétiquement, quoi. Le vide, j'ai compris le bide. J'exagère, mais ça peut même dire non, je suis un mec qui bosse et qui aime, et surtout qui aime faire ce qu'il fait. Ce qui est vraiment dur, c'est de faire des choses que t'aimes pas faire. Ça, c'est horrible. Ouais. Quand je dis où sont passés vos rêves, c'est une façon de dire si c'est votre rêve, c'est aussi le propos de Brel dans son interview sur les rêves. Quand il dit le mec qui a envie de manger un homard, il a le talent à ce moment-là de manger un homard. Bah, moi, je dis si vous avez un rêve, vous avez le talent pour le réaliser. Un peu dans ta famille quand même. De réussite, soit d'excellence. Ouais. Tu fais des concerts de tes parents des fois? Ah bien sûr. Jusqu'à il y a quelques mois, c'était les seules personnes qui étaient disponibles à tout moment. Pas de frère et soeur? Non, tout seul. Tu l'as mal vécu? Non, pas mal vécu. Je t'ai fait des potes quoi. Ouais, mais il y a plein de moments où ouais, tu te dis bon, je suis tout seul. J'estime que j'ai pas eu la chance d'aller au conservatoire. J'aurais voulu moi que mes parents ils me mettent très tôt dans une école et qu'ils me laissent apprendre le piano parce que mais ils pouvaient pas deviner que je voulais faire du piano. Dis-moi vraiment ce que tu penses du conservatoire actuellement. Moi c'est pas le conservatoire qui me pose un problème, c'est les gens qui y a dedans. Et ça dépend, c'est pas tous les conservatoires. Bien sûr que non. Ok, c'est une méthode qui est utilisée au conservatoire qui est un peu qui dégoûte en fait de. Bah, je sais pas si je pense que c'est pas un problème de musique, c'est un problème de milieu, c'est qu'en fait à partir du moment où t'es dans un endroit où il y a des gens qui fonctionnent ensemble. À longueur de journée, à longueur de mois et à longueur d'année, ça semble renfermé, que ce soit un conservatoire, une université, un club. C'est poussiéreux, quoi. Ben c'est normal, ouais. Parce que c'est le principe. La moindre fausse note, c'est une attaque pour moi. C'est genre, putain, j'ai fait une fausse note. C'est-à-dire que tu la joues à la base parce que tu l'aimes. Tu vois ce que je pense te dire? Ouais. Tu te mets pas avant la musique. Non, non. Les notes, tu sais que les notes sont belles toutes seules. Et qu'à la limite, à la base, t'as juste besoin de les jouer pour que ce soit joli. C'est ça, ouais. Et la preuve, pourquoi tu fais du piano? Parce que c'est beau. Hein? Donc, oui, quand tu bosses 8 heures par jour, il y a un moment où t'en as ras le cul littéralement du piano, quoi. Tu pousses jusqu'à saturation, en fait. Ouais. Quand t'apprends un machin, tu te dis. J'ai besoin de choper le morceau dans les doigts. Ouais. En fait, tu dois développer des réflexes quand tu apprends un nouveau morceau. C'est ça qui est difficile. Mais là, j'ai tellement saturé, j'ai trop saturé. J'ai passé, alors je sais pas combien de temps, à partir de quel âge j'ai commencé à faire 8-10 heures, mais à mon avis, à partir de mes 13-14 ans, quand j'ai commencé à préparer l'entrée à Paris, jusqu'à mes 20-21 ans, donc la fin de mes études à Paris, et puis même beaucoup après, encore mes deux premières saisons, là, quand je tournais en Europe avec mes parents et tout, j'étais scotché au piano. Donc on va dire, en gros, pendant 8 ans de ma vie, j'ai fait... ou fait semblant de faire 8 à 10 heures par jour. Énorme. Parce que je sais que tous les concertistes, ils tapent les 8 heures par jour. Ah, c'est ouais. Leur métier, quoi. Ouais, ouais, ils font leur 35 heures au piano par semaine, quoi. Ouais. Même non, plus. Ouais. Non, ça fait plus. Non, mais ouais. Donc, ouais, tu as mal vécu ça. Bah, c'est pas que j'ai mal vécu, c'est que je fonctionne pas comme ça, quoi. Ça me va pas. Ça marche ça pas. Ça me rend malheureux. T'arrives à ressortir le meilleur de toi-même en jouant 2-3 heures par semaine, quoi. Bah, je sais pas si c'est le meilleur de moi-même, mais en tout cas, c'est la seule chose que je peux faire, ça c'est sûr. C'est que je peux pas. Si on me disait c'est 8-10 par jour ou rien, je dirais rien. Hein, d'accord. Je lâcherais le piano quoi. Ah, mais toute la vie, 8-10 heures par jour, impossible. J'en parle encore dans le spectacle par rapport au rêve d'aventure. Moi j'ai un espèce de fantasme de dire, mais de toute façon, faut pas que je me prenne la tête avec ce que je fais parce qu'à tout moment, si ça me saoule, je me tire.
et je vais dans un pays d'Amérique du Sud. Mais tu feras de la musique ou tu... Non, je pourrais... Tu vas ouvrir une poissonnerie ? En Argentine, non, de la viande. Une vianderie ? De son lit, d'avoir cette vue-là quand même. Hein ? T'es un blanc privilégié alors. Un white male, bah, j'ai 23 ans encore, donc ça va, il me reste. Dans 40 ans, ce sera encore pire. Et tous les pingouins et tous les Looney Tunes qu'on voit là. Ça, c'est mon papa. C'est ton dire, ouais, lui, il kiffe, ouais. Il kiffe les animaux en plastoc. Parce que toi, t'as dû prendre la décision dans ta vie à un moment, c'était soit je deviens un grand musicien, soit je deviens un champion du monde de judo. Ouais, c'est la façon sympa de le dire, mais j'avais fait, regarde là, c'est ma ceinture noire. Ouais. Et ça, je l'ai eu quand j'avais 14 ans. D'accord. Et la même année, j'étais champion de France minime, c'est dans la catégorie jeune. Ouais. Donc c'est pas aussi évidemment aussi relevé qu'après tu grandis, mais c'est quand même ça, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de compète suffisante pour que je commence à perdre. C'était des saisons en fait où je gagnais tous mes combats. Genre quand je faisais du judo à cette époque-là, je perdais pas un combat de la saison. Tu niquais tout le monde, quoi. Bah ouais. C'est vrai que c'est un peu flippant. Oui. Et là, c'est le dernier étage en bas. Alfred Cortot. Alfred, oui. T'as non, pas vu la vidéo où il parle de Schumann ? Non. Il faut le jouer comme un rêve. Tu as pas vu ça? Ah non, mais faut c'est génial. Voir. Et je crois qu'il dit des mots qui n'existent pas, il dit immortalité. C'est vrai? Ouais. Ça existe ou pas? Immortalité, je crois pas. Immortalité. Immortalité. Non, j'ai regardé sur internet, ça n'existe pas. Non, je crois que c'est un terme musical. Je vous mets l'extrait, il est génial. Incroyable. La vérité est qu'il faut rêver ce dernier morceau, pas le jouer. Voulez-vous me permettre de prendre votre place? Les deux phrases, ce sont deux éléments différents. Si je disais le conservatoire c'est de la merde, je serais con. Je serais aussi con que tous les autres. Donc t'as pas un avis si négatif non, que ça du coup. Non, mais c'est même pas si négatif. C'est comment dire. C'est pas parce que moi j'ai mal vécu mon passage que je dis que c'est nul à chier. Et si je devais le refaire, je referais parce que ce que j'ai appris là-bas, je l'aurais appris nulle part ailleurs. T'as appris plein de choses. Mais par contre, j'ai vu des trucs qui m'ont appris ce que c'était en effet qu'une société. Que des rapports entre dominants et dominés, est-ce que c'était avoir un patron, avoir un professeur. C'est la critique qu'on m'a fait le plus souvent quand je jouais devant des pros, ils m'ont tous dit oui, t'as aucune technique. Mais ça ne veut rien dire. Mais tu as un instinct de pianiste, mais t'as aucune technique. Ça veut dire quoi la technique? Bah c'est de la technique, ce que vous apprenez au conservatoire. Mais c'est quoi? Je pense que c'est les trucs tout basiques de faire des gammes, de faire des exercices. Enculer les mouches, c'est rien. Voilà, ouais, enculer les mouches. Mais tu sais que tu peux y aller au conservatoire Non, c'est trop tard. Ah, pour adulte. Bah pour adulte et pour tout le monde. Mais j'ai pas envie d'aller au conservatoire. C'est trop tard, moi je fais de la musique comme toi pour le plaisir, j'en joue une heure de temps en temps et voilà. Ah, j'ai eu une vision d'horreur. Et est-ce qu'aujourd'hui tu gagnes ta vie en tant que pianiste? Ou pas encore? Je pourrais la gagner, mais je la gagne pas parce qu'on investit énormément pour se donner un élan le plus fou possible pour aller le plus loin possible. Eh, est-ce que toi t'aimes bien les animaux? Petit chat. Est-ce que dans ton spectacle t'as fait un truc sur Renaud alors que on est sur un truc musique classique et d'un coup tu tapes Renaud et tout? Moi j'ai grave kiffé à ce moment-là. L'histoire de Mistral gagnant, c'est que Renaud il était à New York à ce moment-là pour. Enregistre un album. Ouais, exact. Et puis il a composé une chanson en 15-20 minutes, je crois, un truc comme ça. Il appelle sa femme, il lui dit j'ai écrit un truc là, je vais te le faire au téléphone, mais je trouve que c'est un peu trop personnel. Ouais. Et j'ai pas trop envie de l'enregistrer. Donc il lui chante Mistral gagnant. Je sais pas s'il lui parle ou s'il lui chante. Et ce morceau, je te quitte. Ouais. Et du coup, il a enregistré ce morceau. Ah, voilà. Et c'est son plus grand morceau. Et c'est un des plus beaux morceaux qui ait jamais été composé, j'ai l'impression. Et c'est le morceau préféré des Français. Ça m'étonne pas. Et Mistral gagnant. Une
routine quand même, j'imagine. Non, même aucune plus, routine radicale. Parce que bah, ça change tellement. T'as plus aucun repère, quoi. Ils sont différents, ils sont pas dans l'organisation du temps. Ils sont dans les personnes que tu côtoies, dans les choses que tu retrouves quand t'as du temps pour te poser. Ou alors sur une date, ton repère c'est la date. Exactement, tu sais que là, hop, une semaine, je suis tout seul, j'ai rien à faire. Tu sais que tu vas avoir là en effet. C'est intense quand même, ça n'arrête pas. C'est-à-dire, c'est ça qui est violent. Il y a un côté, j'ai personne au-dessus de moi, plus ou moins, je fais un peu ce que je veux, je vis ma passion, mais un côté où aucun repère, aucune solution. Bah, livré à toi-même. Très dur, moi je vis un peu la même chose. Hein. Et bah ouais, il y a les hauts, des bas, et quand t'es bas, t'es vraiment down. Bah parce que t'es tout seul en bas. Quand t'es en haut, les gens ils sont là. Il y a encore, hein, parce qu'il y a même un peu de cynisme là-dedans. Bien sûr. Même quand ça a plu, toi tu te dis. Et quand t'es en bas, les gens, il y a beaucoup de gens qui sont même contents, satisfaits. Tiens, c'est bien fait pour ta gueule, t'avais qu'à pas risquer ça. Ça, je pense que tu l'as plus que moi, parce que toi t'es exposé. Moi je suis pas mal exposé. D'une façon différente. Dans un truc pas aussi pur que la musique classique, tu vois. Les amis, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, totalement différente. Faut savoir que chaque épisode de Là où s'arrêtent les mots sera vraiment à chaque fois différent. On va toujours s'imprégner de l'univers de la personne qu'on vient voir. Là, Alexandre, je crois qu'il est parti rejoindre sa mère, donc il fait pas l'outro avec moi. Je voulais juste vous remercier une fois plus pour avoir participé au Ulule, tous les gens qui ont participé, pour les gens qui regardent, qui partagent. Vous êtes quand même assez nombreux pour un format qui est assez particulier, on va pas se mentir. Petit rappel en plus, si vous voulez nous aider à continuer et tout, j'ai quand même une page Utip, hein, vous pouvez participer, faire un don dessus, regarder des publicités pour nous aider à continuer à faire cette émission de cette façon-là, avec une petite équipe sympathique. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis merci et à la prochaine. Merci beaucoup.